Bonsoir à tous, ici The Last Ingénieur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale sur le stuff. Comment redémarrer votre stuff avant 30 minutes d'inactivité grâce à AnyViewer. Alors, comme vous pouvez constater, mon stuff est bien démarré. Il est prêt à être utilisé et il me reste 30 minutes d'inactivité maximum. Si je vais sur Moonlight et si je tente par exemple de démarrer le desktop, j'ai déjà un petit problème ici à ce niveau-là. Il m'indique que il n'arrive pas à trouver l'encodeur AV1 et il va y avoir un message d'erreur qui va m'indiquer effectivement il n'arrive pas à initialiser la capture vidéo. Est-ce que il y a un affichage qui est correctement allumé, le stuff erreur 503. Comme on peut constater, donc le stuff est bien démarré mais il n'arrive pas à trouver d'affichage. Si je vais sur Sunshine, j'ai un ensemble de logs et en fait on constate à un moment donné qu'on a ici effectivement qui n'arrive pas à trouver les préférences GPU. Moi je vous propose une solution rapide et efficace, ça va être d'utiliser AnyViewer. Il va nous permettre de faire du contrôle à distance et on voit ici c'est l'identifiant de mon stuff qui est ici et je vais pouvoir le redémarrer, je vais pouvoir l'éteindre, le verrouiller, le mur de l'écran, etc. Je vais prendre le contrôle à distance. Vous ne voyez pas le code de sécurité, bien entendu. Je vous le montre pas. Là, j'ai l'écran du stuff, contrôle à distance. On va aller dans le gestionnaire de périphérique. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on a bien une carte graphique qui lui est associée? Une carte graphique. Et on voit tout de suite qu'il n'a pas trouvé de carte Nvidia. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le stuff à distance. De cette façon-là. Donc si j'arrête le stuff, là on voit que le stuff est bien arrêté. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre et me connecter à nouveau sur le stuff. On va attendre que le stuff s'éteigne. Bah, parfait, il est bien éteint. On va pouvoir cliquer à nouveau sur allumer. Maintenant que le stuff est prêt à être allumé, on va pouvoir aller regarder directement sur le stuff. Il est bien démarré ici. Si je prends le contrôle à distance de mon stuff comme j'ai fait tout à l'heure, on va faire clic droit. Gestionnaire de périphérique. Et si on regarde les cartes graphiques, on a bien une carte graphique qui est associée. Donc cette fois-ci, je pense que si on se connecte via Moonlight, ça va fonctionner. Donc je vais pouvoir quitter mon desktop ici. Et là, on voit que ça fonctionne nickel. Merci à tous et à la prochaine.